Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui et nous sommes le mercredi 13 septembre 2023. On vient de quitter la commune de Pérols-sur-Vézère, d'ailleurs que je vous recommande pour son côté paisible et nature. Cette fois, nous nous dirigeons vers le lac de Séchemailles, toujours en Corrèze. Le lac de Séchemailles est un lac artificiel de 40 hectares, situé à cheval sur les communes de Meymac et d'Ambrugin. Et c'est là-bas que nous avons décidé de passer quelques jours. L'aire de camping-car est à deux niveaux, si je peux dire. Quand vous arrivez, vous avez une partie basse sous les arbres et à côté une partie un peu plus haute avec le lac face à vous. C'est sur cette partie haute que nous nous sommes posés. Ici, comme vous le voyez, la partie basse avec beaucoup plus d'arbres pour avoir un peu plus d'ombre. La vidange est accessible. L'eau est à votre disposition gratuitement. Il y a 4 robinets, dont un seul est réservé pour le rinçage des cassettes. Vous trouverez également des containers pour les ordures ménagères juste à l'entrée. Sur le lac, vous pouvez également pêcher si vous avez la carte de pêche. Un boulanger passe tous les matins de mai à fin septembre. Son pain et ses viennoiseries sont excellentes. Sinon, vous avez un distributeur de baguettes à Meymac au cas où les boulangeries seraient fermées. On part à présent faire le tour du lac. Comptez plus ou moins 4 km en tout. C'est un très beau parcours qui est vraiment très sympa. Vous trouverez pendant votre balade quelques sculptures en bois. Je pense que l'école forestière de Meymac y est pour beaucoup, puisqu'elle forme des ouvriers au métier de la forêt et du bois. Une plage est aménagée et surveillée pendant les vacances d'été. Le lac est également un lieu de loisirs et de sport nautique. Je vous laisse à présent découvrir en images cette superbe balade.
Nous partons le lendemain pour nous promener à Ambrugge. Ce n'est pas très loin, comptez moins d'un kilomètre pour vous y rendre. C'est un bourg bien sympathique, avec une église très intéressante, mais hélas fermée à la visite. Pour finir, il était impératif d'aller flâner quelques heures à Meymac pour son riche patrimoine et son passé médiéval. On arrive tout de suite sur la magnifique fontaine aux lions, appelée ainsi car l'eau sort de la gueule des lions. Ensuite, nous allons faire le tour de la mairie. Cette partie haute de la ville est d'époque médiévale et c'est ici où se tenait jadis un château féodal dont il ne reste que les remparts. À présent, on se dirige vers le Beffroi, ancienne tour de guet du XIIIe siècle. C'est au XIXe siècle que la municipalité décide de fermer la tour par une toiture et d'installer une horloge, d'où son nom, Tour de l'Horloge. Au pied, vous y verrez la statue de Saint Léger, patron de la ville de Meymac. Nous arrivons maintenant devant l'hôtel des Ventadour, ancienne maison ducale avec sa tour carrée de la période Renaissance. Ici la maison, le château des moines, avec ses tours où l'on peut voir à l'intérieur les statues de la Vénus de Milo et de Bacchus. Juste à côté de l'église et de l'abbaye, on peut voir la halle du XVIe siècle. À l'époque, c'est ici que se tenaient les marchés et les foires. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et ici se tiennent les marchés d'hiver, comme ceux des producteurs de pays ou du marché de Noël. Nous voici devant l'église Saint-Léger, datant du XIe et XIIIe siècle. À l'intérieur, vous y remarquerez son orgue magnifique. C'est également ici, dans cette église, que l'on peut voir la statue de la Vierge à l'Enfant, dite Vierge Noire. On fait le tour en sortant de l'église pour nous rendre vers l'abbaye Saint-André, qui est à présent un centre d'art contemporain et un musée archéologique.
Vous pouvez en faire le tour par les jardins et découvrir les œuvres posées ici et là. On continue notre balade tranquillement par les ruelles. Pour nous retrouver à notre point de départ où se trouve la fontaine aux lions. Et voilà, c'est ici que se termine notre balade. Je ne peux que vous conseiller de venir vous poser quelques jours ici. Tout est agréable et tranquillité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous le dire en laissant un commentaire ou bien un pouce en l'air. Et si vous ne voulez rien rater de notre voyage, pensez à vous abonner. À très bientôt. Bye bye.